Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous avons le plaisir d'être en direct du Palais des Congrès à Paris pour une émission diffusée depuis le salon Open Source Experience. Nous vous proposerons plusieurs interviews et en début d'émission, dans sa chronique, Vincent Calame expliquera l'importance de privilégier le terme logiciel libre peut-être plutôt que le terme open source. Enfin, c'est ce que j'ai compris de sa chronique, mais nous verrons bien. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 9 novembre 2021, nous diffusons en direct et en public. Mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu, bonjour Étienne, qui nous me fait coucou parce qu'il n'a pas de micro. Donc cette émission en public est aussi l'occasion d'annoncer officiellement l'ouverture d'un site web dédié aux émissions Libre à vous. L'adresse du site, libreavous.org, tout simplement. Et j'y reviendrai plus en détail à la fin de l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon Libre à vous. Nous allons vous proposer d'abord un petit quiz. Je vous donnerai la réponse en cours d'émission, mais vous pouvez venir sur le salon, donc sur le stand de B03 ou sur le salon web de la radio, causecommune.fm, bouton de chat, salon Libre à vous, pour proposer des réponses. Première question. Deux entreprises du libre fêtent respectivement leurs 15 et 10 ans en cette fin d'année. Quelles sont-elles? Seconde question. Quelle association francophone libriste va fêter ses 25 ans en cette fin d'année? Allez, les réponses bientôt, et sinon, venez pour proposer vos réponses. Vincent Calame, informaticien libriste et bénévole à l'April, nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Chose vue, entendue et vécue autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements et équipes en tout genre. C'est la chronique Jouons Collectif. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric. Alors ça sera la première chronique en direct et en public depuis le salon Open Source Experience. Donc le thème du jour, c'est comment Vincent explique les différences entre open source et logiciels libres par la différence agriculture raisonnée, agriculture biologique. Oui, tout à fait. Alors, quand l'équipe de Libre à vous m'a envoyé la proposition de faire ma chronique en direct du salon Open Source Experience, j'ai eu, je l'avoue, le réflexe conditionné du militant de base de l'April. Open Source, vous voulez plutôt dire logiciel libre, non? Bon, après ce premier mouvement spontané, je me suis dit que ça ferait peut-être un peu mesquin d'aborder le sujet. Après des mois de confinement et de restrictions sanitaires, sommes tous au plaisir de nous retrouver, de discuter en face à face, de flâner dans les travées. L'heure n'est pas aux querelles de chapelle. Et puis, en exerçant une activité professionnelle moi-même dans le logiciel libre, je ne peux que me réjouir de la tenue d'un tel salon, montrant le dynamisme économique et social du monde du logiciel libre. Puis les organisateurs de salons ont droit de l'appeler comme ils veulent. Comme dit le dicton, qu'importe le flacon pourvu qu'on y livresse. Cependant, je tenais tout de même mon sujet de chronique car il m'est arrivé plusieurs fois qu'on me demande la différence entre open source et logiciel libre. Donc je me propose de partager avec vous ma réponse, qui est aussi mon interprétation personnelle de la question. En effet, quand celle-ci est posée dans un milieu plutôt militant, pour faire court le terme mondialiste, je réponds par analogie en comparant cette différence avec celle entre agriculture biologique et agriculture raisonnée. Là, Vincent, il va falloir expliquer les deux concepts. Oui, alors, l'agriculture biologique, je pense que tout le monde voit ce que c'est, les produits sont maintenant présents un peu partout. Ce qui est important à rappeler pour expliquer mon analogie, c'est que c'est un mouvement ancien. En France, le premier cahier des charges est celui élaboré par l'association Nature et Progrès et date de 1972. À l'origine, ce cahier des charges avait une approche mutualiste. La certification se faisait par les pairs. Donc, le label officiel, celui le plus répandu, n'a été mis en place par le ministère de l'Agriculture qu'au début des années 90, avec au passage la perte du caractère mutualiste, puisque maintenant la certification se fait par un tiers à un coût parfois non négligeable pour les petits producteurs. Mais dès le début de l'agriculture biologique, il y avait une corrélation forte entre techniques agronomiques pointues et valeurs éthiques et humaines. Alors, l'agriculture raisonnée, quant à elle, est un concept promu au début des années 2000 par des grands syndicats agricoles et ministères de l'Agriculture. Il consiste surtout à donner des règles de bonne conduite en matière d'usage de produits phytosanitaires, engrais et pesticides. Bon, disons les choses crûment et totalement subjectivement, il était promu comme contre-feu face à la progression continue de l'agriculture biologique.
D'ailleurs, le terme a connu un succès variable. On peut encore l'entendre dans quelques publicités ou le voir sur quelques étiquettes. Mais le ministère de l'Agriculture privilégie depuis une dizaine d'années le concept de haute valeur environnementale, objet de débat houleux, notamment dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune. Bon, revenons peut-être à logiciel libre et open source. Oui, revenons à nos moutons, hein, c'est le cas de le dire. Bon, je dois commencer par connaître une première limite à mon analogie. Agriculture biologique et agriculture raisonnée sont concurrence, alors que logiciels libres open source ne le sont pas. Dans la très grande majorité des cas, les logiciels libres sont open source et vice-versa. Ce qui m'intéresse dans l'analogie, c'est de montrer que d'un côté, nous avons des concepts où techniques et valeurs sont imbriquées. Donc agriculture biologique, avec l'aspect mutualiste dès le départ, et logiciels libres, avec les quatre libertés qui mettent les utilisatrices et utilisateurs au centre. Et de l'autre côté, des concepts centrés sur le geste technique. Agriculture raisonnée avec son usage moindre des produits phytosanitaires, les 10 points de définition de l'open source, de l'open source initiative qui concernent majoritairement la licence. Dans les deux cas, et c'est mon interprétation personnelle, nous avons la création de concepts ultérieurs qui édulcorent le propos des concepts qui les précèdent. Open source supprime la charge idéologique du logiciel libre. Cela dit, bon, on peut comprendre qu'une entreprise qui a traité de logiciel libre de cancer, ou pire de communisme, ait besoin d'un terme plus neutre quand elle finit par se convertir. Puis après tout, si un changement de nom permet de mieux diffuser dans certains milieux, notamment économiques, on pourrait dire pourquoi pas. Moi-même, si j'étais l'organisateur d'un événement comme ce salon, je sais bien que le choix entre open source et logiciel libre dans son titre ne serait pas neutre et poserait la question du public visé. Mais pour revenir à mon analogie, il faut surtout être vigilant à ce que le terme open source n'entraîne pas une dilution des exigences portées par le logiciel libre, de la même manière que la certification haute valeur environnementale constitue de fait une régression par rapport au cahier des charges de l'agriculture biologique. C'est pour ça que je conserverai mon réflexe conditionné de militant de l'April, tout en vous promettant de le réfréner en telles occasions. Après tout, il faut peut-être cacher aux promoteurs de l'open source que leur projet est en fait très politique. Bah écoute, merci Vincent pour cette chronique. Je vais peut-être préciser que l'entreprise qui a traité le logiciel libre de cancer, c'est Microsoft, tu ne voulais sans doute peut-être pas le citer, mais voilà, qui est d'ailleurs présente sur son salon. C'était la première chronique en direct de Vincent Calame, Jouons Collectif. Bravo Vincent. Bah, toutes mes chroniques étaient en direct. Oui, en direct, excuse-moi, et en public. Et il y a beaucoup de bruit autour de nous. J'espère que bon, le son, l'ambiance ne passe pas trop. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de gens ici, donc c'est un beau succès. Donc merci Vincent, et je te dis à la prochaine fois. Donc de retour au studio dans le 18e à Paris. Tout à fait. Alors on va faire une pause musicale. Pas de soucis Étienne, c'est la diffusion en direct. Donc on va faire une pause musicale, mais on va faire une pause musicale un peu particulière, car nous avons le plaisir d'avoir un artiste qui produit, qui fait de la musique libre et qui par ailleurs est informaticien libriste pour la société Vortex. Donc c'est Captain Clément Oudot qui va nous faire le plaisir de nous interpréter en direct un morceau. Alors quel est ce titre Clément ? Alors bonjour, déjà merci à la radio et à Libre à vous de m'accueillir pour cette pause musicale. Et donc la chanson qu'on va chanter là, c'est le musée d'air contemporain. Voilà, un petit peu engagé. Greta Thunberg, si tu m'écoutes, c'est pour toi. Cause commune, 93.1. C'était l'hiver, le jour de la sortie scolaire. D'air contemporain. La lutte des classes pour les professeurs qui menacent les gamins qui ne contemplent rien. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos. Et puis moi je trouvais ça chouette. Un guide austère de l'air, la période bleue, la période noire. Comme si la planète était une grande palette avec le trou de la couche de jaune. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos. Et puis moi je trouvais ça beau. Paraît qu'avant, il y avait de l'air, il y avait du vent, de la verdure dans les prairies. Oui, mais
mais maintenant le ciel, la terre, les océans, ils sont tout froids, ils sont tout gris. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça chouette. Fin de la visite, on se dirige vers la boutique Musée d'air contemporain. Bouteilles d'eau claire, sachets de terre et bonbonnes d'air, fruits et légumes en parfum. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça beau. Waouh, super! Donc c'était Captain Clément Houdou en direct. Si merci. Si vous voulez le revoir en direct, vous pouvez venir sur le salon, donc Salon Open Source Expérience Paris, Palais des Congrès, donc demain mercredi 10 novembre, entre 12h30 et 13h30, dans la partie, on va dire, associative, dont on parlera tout à l'heure avec Magali. C'était un grand plaisir, Captain. J'avais choisi ce morceau parce qu'il me plaît bien. Et espérons que les personnes qui décident un certain nombre de choses à la COP26 auront écouté ta musique. J'espère qu'ils l'auront écouté. Ouais, voilà. Super. En tout cas, merci. Beaucoup. Et je précise évidemment que c'est sous licence libre Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions. Voilà. Et si vous êtes le salon, il y a des CD à vendre. Voilà. Sur les stands de l'April, Framasoft et LinuxFR. Voilà. Merci, Captain. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. On va changer de sujet. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Alors, nous allons poursuivre par notre sujet principal, donc avec des interviews. On a changé quelques interviews depuis le salon donc Open Source Experience. Hein, je crois que c'est l'émission de l'April où je vais dire le plus souvent le terme Open Source. Mais heureusement, on m'a promis une petite bière après pour faire passer ça. Première interview, donc, Philippe Montargès. Bonjour, Philippe. Bonjour, Frédéric. Alors, tout à l'heure, Philippe, j'avais une question quiz, donc je vais te la donner. Peut-être que tu as une réponse possible. Deux entreprises du libre ont fait respectivement leurs 15 ans et leurs 10 ans en cette fin d'année. Quelles sont-elles ? Attends, je cherche. Smile, 15 ans. Ah, Altero est 15 ans. Voilà, alors 15 ans. Smile est 30 ans. Et effectivement, on a annoncé juste avant l'événement là, de l'Open Source Experience notre rapprochement. Comme j'ai dit ce matin au député Philippe Latombe, je considère que c'est une consolidation positive du secteur. Alors le mot consolidation fait peur. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais le mot positif est important dans ce terme. Positif pourquoi ? Parce que c'est un rapprochement vraiment avec un sens industriel. Des deux premiers acteurs pour les ESN purement open source du secteur. Et surtout qui vont mettre leurs points forts en commun, mutualiser leurs points forts, de façon à ce que sur chacun de ces points forts, notamment les activités digitales, IoT embarquées, business apps de Smile soient plus fortes, et que les activités infrastructure, cloud, service manager de Altaïr soient plus fortes. D'accord. Alors, je ne vais pas te lancer là-dessus, mais ouais. tu as tout à fait droit. Je voulais juste dire que Altaïr FET, c'est 15 ans et que c'était la première réponse au quiz. Pour les 10 ans, je le donnerai tout à l'heure en fin d'émission. C'est une autre entreprise du libre. Alors, Philippe, tu es trésorier du CNLL, dont tu vas présenter juste après, président du Hub Open Source du pôle de compétitivité systématique, qui est organisateur du salon et donc président d'Altaïr. Et donc, je t'ai convié à sous toutes ces casquettes. Donc déjà, je voudrais que tu nous présentes un petit peu rapidement ce qu'est le CNLL et ce qu'est le Hub Open Source. Alors, le CNLL, c'est une organisation professionnelle qui regroupe une fédération d'entreprises, de clusters d'entreprises régionaux. En France, l'écosystème est organisé autour de clusters régionaux. Vous avez Solibre dans la région Toulouse, en Occitanie, on a PLOS Rhône-Alpes pour la région Rhône-Alpes, on a le Hub Open Source pour la région parisienne, et ainsi de suite. Le CNLL est la confédération qui réunit l'ensemble de ces clusters et représente l'ensemble de l'écosystème en France, c'est-à-dire plus de 350 entreprises qui travaillent essentiellement, dont la majorité de l'activité s'opère à base de composants open source. D'accord. Et tu as ton autre casquette, là en lien encore plus avec le salon, donc c'est président du Hub Open Source, du pôle de compétitivité systématique. Est-ce que tu peux nous le présenter aussi ? Alors, le pôle de compétitivité systématique, je ne vais pas faire une présentation très large, c'est effectivement une association qui est pilotée par la DGE et la région,
et qui a pour vocation... DGE, c'est la Direction Générale des Entreprises. Direction Générale des Entreprises. Et le pôle de compétitivité systématique est organisé dans sa feuille de route jusqu'à 2022 autour de 6 hubs importants. Il y a des hubs qu'on appelle les deep tech, c'est-à-dire les technologies qui structurent l'innovation à venir en termes de... Technologies profondes, en fait. De technologies profondes. Voilà. Et notamment, il y a un hub qui est plutôt dédié à l'intelligence artificielle, un autre qui est dédié, par exemple, à l'embarqué, à l'IoT, un autre qui est dédié au HPC, un autre qui est dédié à la cybersécurité. Et il se trouve que dans la stratégie, le plan de stratégique de systématique, Jean-Luc Bella, son président, a souhaité que le hub open source soit le sixième hub en transverse des autres hubs et avec une vocation, j'allais dire, c'est de pouvoir à terme monter des projets d'innovation. Le hub, c'est un endroit où se réunissent à la fois des membres des entreprises purement open source, des grands académiques, des laboratoires, des grands industriels. Et par exemple, dans notre hub open source, au sein du hub open source qui regroupe 150 membres, on a à la fois aussi bien des gens de l'INRIA que des gens de Thales ou de Orange, ou que des gens comme Microsoft, je sais un mot gros, ou des acteurs comme Atos, voilà, et puis des acteurs comme nous, Alterway, Smile, des éditeurs en pagaille, XWiki par exemple, Bluevine, et ainsi de suite. Donc c'est un écosystème francilien qui est entre guillemets le hub open source de la région francilienne, et son objectif au hub open source, c'est effectivement d'accompagner ces entreprises dans leur développement et de les aider à passer à l'échelle au-dessus. Okay. Hein, c'est ça un peu l'objectif de ce hub. D'accord. Et donc, il contribue effectivement à l'émergence de nouveaux projets, notamment actuellement la priorité, et notamment une des fonctions du hub, c'est de faire en sorte que ces acteurs industriels qui sont regroupés dans son sein puissent accéder à des marchés qui ne pourraient pas accéder tout seuls. Je prends un cas très concret actuellement, où il y a un enjeu énorme pour les données, pour ce qu'on appelle le cloud souverain, qui est Gaia-X. Il se trouve que Gaia-X, c'est un projet franco-allemand qui est piloté depuis 2 ans, avec un enjeu fort autour de la donnée, avec des grands industriels qui pilotent cette organisation. On fait tout via Systématique et le open source pour pousser effectivement une approche open source dans la motorisation du framework qui va être mis en place pour piloter ces réseaux de données. D'accord. Donc ça, c'est concrètement ces actions concrètes qu'on essaie de porter au niveau du développement open source. Ok. Je pense qu'on aura l'occasion de rentrer plus en détail un jour dans une émission sur ces sujets-là. Ouais. On va revenir sur le sujet sur lequel je t'ai invité principalement, en tout cas. Parce que je précise qu'on va faire des courtes interviews sur le salon. Donc le CNLL a publié en juin 2021 une étude sur le marché économique du logiciel libre en France. Ouais. Donc ce qui m'intéresserait, ce qui intéresserait sans doute les personnes qui écoutent, c'est quels sont les principaux chiffres, ou en tout cas les principaux éléments de cette étude. Alors cette étude en 2021, elle était surtout, on va dire, qualitative pour voir un petit peu plus comment l'écosystème des entreprises de l'open source et du logiciel libre en France avait réagi durant cette crise sanitaire et post-Covid. Comment se projeter? Déjà, il y avait une première partie qui concernait vraiment un état des lieux, j'allais dire un état de santé pour le coup, des entreprises qui constituent l'écosystème. Et si on fait une analyse assez claire de ça, ce qu'il en ressort, c'est que d'une part, cet écosystème, il est constitué à plus de 75% de PME, de TPE. Donc, à contrario, le reste, c'est ou des start-up ou vraiment des ETI. Donc, avec une taille faible. Une grosse représentativité. ETI, c'est entreprise de taille intermédiaire. Voilà, c'est ça. Il est aussi avec un âge médian, une ancienneté médian des entreprises de cet écosystème qui est autour de 11 années. C'est-à-dire que la moyenne d'âge des entreprises de l'écosystème est de 11 ans. C'est un élément qui est assez intéressant. Et par contre, quand on a interrogé via cette étude les patrons de ces entreprises-là, ils étaient à 60%, très confiants pour la suite post-Covid pour leur activité propre en interne, et plus de 80% pensaient recruter dans les années qui viennent. D'accord. Donc ça, c'était un premier engagement au niveau des entreprises. Un deuxième sujet, c'est que 80%, même 85% de ces entreprises, de ceux qui ont des répondants, sont, et ça c'est plutôt un bon signe, et c'est inhérent à l'ADN même de ces entreprises qui sont open source et logiciels libres, 85% considèrent que les sujets de souveraineté numérique, d'indépendance technologique sont des sujets
qui sont importants pour eux et pour leur devenir. Et est-ce qu'ils sont bien pris en compte par l'État selon ces entreprises ? 80% sont conscients de ça. Par contre, je n'ai plus le chiffre exact, mais en termes de répondants, 50% ou même pas la moitié considèrent que l'État fait suffisamment pour garantir ou pour mettre en œuvre une politique qui fait qu'effectivement, cette recherche d'une plus forte souveraineté économique, d'indépendance technologique via l'État, est garantie par la politique de l'État, notamment en matière de cloud, où il y a eu pas mal de débats sur la politique du cloud centre, du cloud de confiance, et même actuellement, la dernière annonce du gouvernement sur le plan de relance, le plan d'investissement d'avenir de 1,8 milliard autour du cloud dans les services. C'est bien, mais est-ce que cet investissement qui va être fait va bien profiter aux entreprises françaises, franciliennes, qui travaillent dans le cloud et qui travaillent dans l'édition de solutions qui travaillent dans le cloud. Et pas profiter à des entreprises étrangères, américaines, de chez le propriétaire. C'est un peu le sujet. D'accord. C'est un peu le sujet, notamment. Okay. C'était très bien qu'OVH, par exemple, que OVH soit mis en avant au moment de cette annonce-là. C'est très bien que le gouvernement dit que les données doivent être stockées chez des cloud providers français, OVH, Scaleway, Outscale. C'était un peu embêtant de dire, est-ce que c'était une erreur de communication ? Je ne le pense pas, mais que les algorithmes qui servent à exploiter ces données qui sont stockées dans des serveurs français soient d'origine de type GAFAM ou autre. D'accord. OK. Ouais. Ça, c'est la deuxième conclusion. Et la troisième conclusion de cette étude, c'était effectivement une prise en compte de la réalité du rôle éthique et responsable et de l'investissement dans une approche, on va dire, numérique responsable, numérique décarbonée de la filière open source. Pareil, là, vous avez 85-90% des répondants qui se disent « Ok, on y va. Nous, on est conformes, on va se mettre aux normes, on va être éthique. » Mais éthique, dans quel sens éthique ? Alors éthique à la fois dans le sens accessibilité, éthique dans la fois que chez nous, on applique les principes sur lesquels on croit, c'est-à-dire avoir une politique de formation avec des logiciels libres, avoir des recrutements qui sont conformes à ça. Et puis c'est aussi éthique, ça veut dire aussi être capable de proposer des solutions, j'allais dire concrètes. Le seul sujet, c'est que là, il y a 85% des gens qui se déclarent favorables à ça, des entreprises. Mais le constat aussi, c'est quand on a interrogé les mêmes personnes sur leurs clients, les clients de ces entreprises-là, 25% à 30% pensent qu'ils auront des contrats parce qu'ils ont ce positionnement-là. D'accord. Okay. Donc, si tu veux, ça montre un déphasage entre la prise de conscience de ces entreprises qu'il faut effectivement d'avoir une démarche éthique, une démarche responsable, une démarche de souveraineté, et la réalité du client. Parce que les clients, il y a le secteur public qui a une certaine prise de conscience, mais beaucoup de clients du privé ne sont pas encore matures ou ne le sont pas. Ce qui m'amène à dire, et là je reprends des propos peut-être un peu... pas polémique, mais entre guillemets, ça va marcher le jour, malheureusement, l'éthique ou le responsable va marcher le jour où il y aura du business à faire. Et tant que les clients ne vont pas basculer dans cette logique-là, ça ne va pas suivre. C'est un peu le cas aussi, je pense, pour certaines approches écologiques, où on sent bien que quand il y a du business à faire, finalement, ça force un peu les gens à basculer. D'accord. Avant-dernière question, quel est le principal défi, selon toi, pour les entreprises actuellement ? Est-ce que ça reste le recrutement ? Ou est-ce qu'il y a un autre défi Alors là, tu as mis le mot, le truc sur le point clé, c'est le recrutement. Plus que le recrutement, c'est la capacité pour les entreprises du libre, de l'open source, à recruter. Moi, j'ai fait l'analogie ce matin et hier au sein de GaiaX. On parle beaucoup de crise de la croissance de l'économie européenne qui reprend. Beaucoup d'économistes s'inquiètent de la pénurie de semi-conducteurs. Beaucoup d'économistes s'inquiètent de l'augmentation des prix des matières premières. Mais pour notre secteur à nous, la principale menace est le risque de décroissance, ou en tout cas de croissance moins forte, ou de faire en sorte que les entreprises n'aillent pas plus vite qu'est-ce qu'elles peuvent faire, c'est effectivement le manque de ressources. Le manque de ressources en termes de compétences formées à ces technologies-là. Et par là même, c'est un cercle vraiment pour le coup pas vertueux, la nécessité de faire appel à des compétences qui se situent en dehors d'Europe.
quand on voit que les Chinois sont capables de produire 300 000 développeurs par an, de produire en termes de formation, hein, c'est pas un mot très joli, mais on n'est pas à ce niveau-là. On est très très loin au niveau européen de produire ça. Donc il y a là vraiment un phénomène qui va générer, je pense, un autoblocage de la propre croissance de l'économie numérique européenne, et notamment de l'open source. D'accord. Donc effectivement, ça reste toujours le recrutement. La compétence, la formation, la sensibilisation à la technologie en France, dans les études, au niveau scolaire, et encore plus que d'habitude, plus qu'encore il y a 10 ans quand on en parlait déjà, vital. D'accord. Dernière question, réponse courte. Demain, il y a la ministre de la fonction publique, enfin de la transformation de la fonction publique qui vient au salon pour visiter et faire des annonces. Alors même si toi peut-être t'es plus concerné par les annonces potentielles de Cédric O, ministre de l'économie numérique, est-ce que tu attends quelque chose de concret ou qu'est-ce que tu attends de cette annonce, des annonces de Émilie Montchalin? On attend qu'elle confirme un petit peu les propos qu'elle avait tenus et dans une lettre qu'elle avait produite, alors je ne sais plus quand, il y a un mois ou deux, comme quoi effectivement elle souhaitait que le logiciel libre fasse partie du choix numéro un et que ce soit vraiment par exception que notre choix soit fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième engagement, c'est effectivement, on pense que dans la transformation du secteur public, on voit qu'il faut qu'elle accélère sur ce sujet qui a été mis en place au niveau de l'Europe et qui est mis en place au niveau français, au niveau des OSPO. Les open source... OSPO, je précise. Le centre de compétences logicielles libres dans les administrations. Oui, c'est ça. Et ça, vraiment, j'espère qu'elle va annoncer des choses très concrètes par rapport à ça. D'accord. Bah écoutez, on sera à l'écoute des annonces d'Amélie Montchalin demain, mercredi, au salon. Merci Philippe. Merci Frédéric. On va enchaîner pas très loin du CNLL d'ailleurs, donc on va demander notamment à Sun & Genkim de s'installer. Donc c'était Philippe Montargès qui donc nous a parlé à la fois du CNLL, du salon, et puis de l'étude qu'ils ont fait économique. Toutes les références sont sur le site libreavoue.org. Vous retrouverez donc le lien vers là, l'étude du CNLL des aspects économiques. Donc on va enchaîner sans transition, comme on dit chez les grands, une personne, par le sujet suivant. Je précise d'ailleurs que pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en direct et qui ne sont pas sur le salon, vous pouvez nous rejoindre sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Hein, si vous avez des questions, je les relayais, mon ordinateur est allumé. Alors maintenant, on va parler un petit peu du concours des acteurs du libre qui a été remis tout à l'heure en début de salon. Donc avec moi, j'ai Catherine Nuel et Sun Quyen Ngim. Nguyen Kim, excuse-moi, en plus j'ai mis ton nom en raccourci comme tu avais fait dans tes courriels, qui va donc nous présenter ça. Donc on va commencer par Catherine. Donc Catherine, toi tu es permanente au CNLL, dont a parlé Philippe juste à l'instant. Donc j'ai la première question toute simple, c'est quoi le prix des acteurs du libre, ou le concours des acteurs du libre? Bonjour, alors une présentation rapide. Vous m'entendez correctement? Oui, c'est bon. Une petite présentation du concours des acteurs du libre. On organise ce concours depuis maintenant 5 ans. On a eu une coupure, bien évidemment, à cause du Covid l'année dernière. Donc ce concours, il a pour objectif de mettre en lumière certains acteurs de notre milieu de l'open source. Ce qu'on cherche à faire, on veut que ce soit un concours ouvert, donc qui s'adresse à tous les acteurs de l'écosystème, quel que soit leur profil, c'est-à-dire éditeur, intégrateur, utilisateur, quelle que soit leur taille. On a des petites structures, des startups, des grands groupes qui candidatent. Notre idée, c'est vraiment que tout l'écosystème soit impliqué. On obtient ça notamment en participant, en proposant chaque année aux gagnants de faire partie du jury de l'année d'après. Voilà, ça nous permet d'avoir de la diversité dans ce jury et d'avoir des points de vue très, très variés et intéressants. Donc, si vous le voulez bien, je peux vous annoncer les gagnants de cette édition. Ah bah écoute, vas-y, ils on été, exclut. Bien évidemment révélés lors de la cérémonie à 13h à l'Open Source Experience, mais on peut les mentionner maintenant. Bien sûr. Le meilleur projet est donc revenu à Simple Login, qui est à côté de moi, qui s'exprimera dans quelques minutes. La meilleure stratégie est revenue à Arawa. Le prix du numérique ouvert et éthique a été décerné à Dalibo. Le prix du développement commercial à Smile. Et enfin, le prix spécial du jury a été gagné par la DINUM pour son projet Démarche simplifiée.
Juste pour terminer là-dessus, ce qu'on souhaite faire, on adapte chaque année le concours en fonction des commentaires qu'on reçoit, des propositions d'amélioration. Et notamment, on a reçu des demandes de la part d'acteurs qui ne sont pas basés en France de pouvoir candidater. Donc on envisage d'élargir le concours et d'offrir un accès aux acteurs non français, mais européens. Et d'autre part, on envisage pour l'année prochaine aussi une catégorie dédiée aux administrations. Pas les collectivités, puisque les collectivités ont leur concours des territoires numériques libres, de l'aide de l'acte. Qui sera remis à 17h sur le salon. Exactement. Donc on aurait une autre catégorie dédiée aux administrations hors collectivités. D'accord. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la présentation du concours. Et donc un dernier mot pour proposer à tous les acteurs de candidater l'année prochaine. Rendez-vous en 2022. Alors j'ai une petite question. Est-ce que ça concerne les acteurs et est-ce que c'est uniquement des structures professionnelles ou des associations peuvent candidater ? Les associations peuvent candidater, d'accord. Tout à fait. Associations, entreprises... Donc il y a un appel à candidature publique, je suppose, et ensuite par rapport aux candidatures qui sont reçues, il y a un jury qui sélectionne les différents projets. Tout à fait. On a un jury qui est composé de entre 6 à 10 personnes selon les années. Et donc chaque personne examine une partie des dossiers. Cette année, on en a reçu beaucoup, donc on avait réparti les dossiers. Vous avez reçu combien de candidatures d'ailleurs ? Cette année, on en avait 20. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et donc on a le plaisir d'avoir l'un des vainqueurs, donc prix du meilleur projet si je me souviens bien. C'est bien ça. Pour donc Simple Login, donc Sun Nguyen Kim. Là, tu as un petit peu un défi parce que tu vas devoir nous expliquer un petit peu l'intérêt de ce projet, au-delà du fait qu'il ait gagné un prix, donc forcément, il est bien. Donc déjà, voilà, quel problème souhaites-tu résoudre avec ton projet et qu'est-ce que ton projet propose concrètement ? D'accord. Bon, bonjour à tous. Et pour présenter rapidement le projet, je vais vous raconter une petite histoire peut-être. En fait, il y a 2 ans, j'ai essayé de faire un nettoyage à fond de ma boîte mail et que je me suis rendu compte, en fait, il y a beaucoup de mails que j'ai reçus sans savoir pourquoi. Alors, on va faire une petite pause pour laisser les annonces du salon parce que je pense qu'elles passent en direct, mais c'est pas très grave. Ah oui. C'est surtout quand on n'aurait plus parlé, en fait. Oui. Donc voilà, l'annonce a été faite, on va leur demander de... Ah non, ça recommence, c'est la fin en fait, c'est comme à la SNCF. Vas-y, poursuis, excuse-moi, raconte ton histoire de ménage de boîte mail. C'est ça, il y a deux ans, j'ai essayé de faire un grand nettoyage de ma boîte mail. En fait, j'ai vu qu'il y a beaucoup de mails que j'ai reçus sans savoir pourquoi. En fait, j'ai jamais donné l'autorisation de m'envoyer des mails à ces entreprises-là. Et pourtant, elles m'ont envoyé des mails. Et vu que j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une entreprise de publicité, bah je sais que c'est très fréquent que nos données s'achètent en ligne. Et en fait, c'est une industrie qui fait plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc, ce n'est pas une petite industrie. Et donc, j'ai créé SimLogin pour résoudre ce problème. Et la solution qu'on propose, c'est très simple. C'est de créer une adresse mail différente pour chaque site web. Donc une adresse mail pour Le Bon Coin, une adresse mail pour Facebook, etc. Et donc si un jour je reçois un mail d'Amazon sur mon adresse mail pour Facebook, bah, je sais que Facebook a vendu mes données à Amazon. Et dans ce cas, je peux simplement désactiver l'adresse mail qui est associée à Facebook. Alors, si je comprends bien, hein, c'est l'idée, c'est donc pour chaque finalement service que la personne va utiliser, ça peut être un site web ou autre, d'avoir une adresse mail spécifique, donc dédiée à ce service, ce qui permet effectivement de tracer l'utilisation de ces données-là et éventuellement de mettre un terme à cette adresse mail. Mais en fait, je viens de me dire, les gens ils vont devoir créer manuellement toutes ces adresses mail, comment ils vont faire concrètement en fait ? Oui, en fait c'est exactement ça. En fait, en ayant des adresses mail différentes pour chaque service, on peut tracer l'utilisation de nos données en ligne. Et en fait, c'est très simple de créer ces adresses mail. En fait, SimLogin est disponible sur toutes les plateformes, donc sur mobile, iOS, Android, dans le navigateur. Et c'est même plus facile de créer une adresse mail temporaire que de taper notre adresse mail personnelle. En fait, il faut juste cliquer sur un bouton et on aura tout de suite une adresse mail que l'on peut utiliser. Donc si je comprends bien, Simple Login, c'est des applications pour téléphone mobile, des extensions pour navigateur web et pour messagerie qui permettent de créer à la volée
à la demande une adresse mail, ce qu'on appelle un alias d'adresse mail, c'est-à-dire une adresse mail spécifique pour un service, c'est bien ça? C'est ça, oui. Donc par exemple, quand vous êtes sur un newsletter, par exemple, vous voulez recevoir un newsletter, et donc dans la partie adresse mail, vous avez une petite icône, le symbol login, vous cliquez dessus et ça va créer un alias que vous pouvez utiliser immédiatement. Et tous les mails qui sont envoyés en alias. Mesdames, Messieurs, chers visiteurs, je crois qu'aujourd'hui on a beaucoup d'annonces, donc on va laisser faire les annonces. Ah oui. Voilà, et donc tous les mails qui sont envoyés en alias arrivent dans notre boîte mail habituelle, que ce soit Gmail, Outlook, Yahoo. Donc il n'y a rien qui change dans nos habitudes. Et on peut aussi envoyer des mails depuis un alias. Et du coup, au final, un alias est juste comme une adresse mail normale. D'accord, c'est-à-dire que la personne n'a pas besoin de se rechercher son alias quand elle va vouloir réenvoyer un courriel à ce même service. C'est ça, oui. D'accord, alors j'ai un commentaire sur le salon web de la radio de Marie-Odile qui dit une adresse mail pour chaque service, ça va être compliqué pour les gens. Est-ce que tu as combien de personnes qui utilisent ton service actuellement? Enfin, le concept peut sembler compliqué au début, ouais. Mais après, une fois qu'on utilise, c'est très simple. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Symbol Login, on a finalement réussi à rendre une technologie qui a été réservée pour les développeurs, pour les technophiles à l'époque. Donc, ce n'est pas une nouvelle technologie. C'est une technologie qui existe depuis une vingtaine d'années, en fait. Mais il n'y a que les développeurs qui utilisent. Mais maintenant, il y a de plus en plus de grand public qui commence à utiliser parce que c'est très facile à utiliser et c'est accessible. D'accord. Donc, Symbol Login, c'est développé en logiciel libre. Toi, c'est quelque chose que tu développes comme ça sur ton temps libre ou par intérêt, ou est-ce que derrière, tu as un modèle économique quelque part, peut-être d'abonnement ou autre? Comment ça marche? Oui, on a un modèle économique derrière, parce que le but, c'est que Symbol Login va vivre avec le temps. Et donc, on a deux abonnements. On a un abonnement gratuit, et donc tout le monde peut utiliser. Et on peut créer jusqu'à 15 alias. Et on a aussi un modèle premium, qui coûte 30 dollars par an et qui nous permet de créer autant d'alias qu'on veut. D'accord, donc il y a plusieurs modèles d'abonnement qui permettent effectivement... C'est voilà. Ça. Et est-ce qu'il y a une limitation dans le nombre de courriels qui sont envoyés ou dans la bande passante utilisée, c'est-à-dire le transfert de données, ou est-ce qu'il n'y a pas de limitation de ce genre? Il n'y a aucune limite en termes de bande passante ou en termes de nombre de mails. Et d'ailleurs, si vous avez votre propre nom de domaine, vous pouvez aussi ajouter dans Symbol Login pour créer les alias basés sur vos noms de domaine. D'accord. Et au niveau donc Symbol Login, donc il y a des serveurs. Est-ce que ces serveurs conservent des données, par exemple les courriels échangés ou autres? Est-ce qu'il y a des données qui sont conservées? En fait, nous, on reçoit des mails et ensuite on va rediriger les mails à vos boîtes mails habituelles. Mais on ne stocke pas les emails. D'accord. En fait, un email est supprimé immédiatement après qu'on a reçu. Donc en termes de données privées, on ne stocke que très peu de données. D'accord. Mmh. Alors pourquoi avoir candidaté au prix des acteurs du libre? Qu'est-ce que tu attends de ce prix? La visibilité ou autre chose? En fait, pour être honnête, ça a été une belle surprise pour nous de recevoir le prix. Quand on a candidaté, on a reçu un mail et on s'est dit pourquoi pas. On a candidaté, en recevant le prix, on est très content parce que ça montre que la solution a été reconnue par le monde open source et c'est une petite récompense pour nous. Ouais, ça nous fait très plaisir. D'accord. Catherine, tu veux ajouter quelque chose sur Juste un petit commentaire. Vas-y, pour dire proche que du micro. J'ai suivi pas forcément de très près les commentaires, mais je sais que le prix a été remis, notamment ce qui a été noté chez vous, c'est la forte croissance du nombre de la communauté derrière qui participe. De personnes à qui utilisent des contributeurs. Ah, de contributeurs. D'accord. Il me semble. Hein. Ouais. D'accord, c'est-à-dire que tu n'es pas le seul à développer, tu as des contributeurs et contributrices externes. Oui, c'est ça. En fait, d'accord. On a une équipe de 4 personnes qui travaillent sur Symbol Login, mais vu que le code est open source, et du coup, il y a beaucoup de contributeurs, il y a beaucoup de développeurs qui ont contribué à Symbol Login, et donc ce qui fait la force de la solution. Mm-hmm. D'accord. Oui. J'invite tous les gens qui nous écoutent à aller sur le site simplelogin.io. Il y a à la fois en français et en anglais. Il y a aussi notamment des explications par rapport aux alternatives qui existent. C'est un site très complet, donc à tester cet outil. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sun? Je veux juste ajouter Vas-y. Que en fait
Avant, on pensait que les solutions open source sont réservées pour les développeurs ou pour les entreprises, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de solutions open source qui sont très accessibles et qui sont faciles à utiliser pour le grand public. Et donc, je pense que c'est important que les gens comprennent l'importance d'avoir des logiciels open source, parce que c'est la transparence, c'est... Quand on utilise un logiciel open source, on est sûr que nos données privées ne soient pas volées, ne soient pas utilisées à d'autres fins. Et c'est important que les projets open source soient supportés par, par le public. Bah écoute, merci en tout cas et félicitations pour ce prix. Donc c'était Catherine Newell et Son Nguyen Kim. Donc on va faire une petite pause musicale. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons danser un petit peu. Nous allons écouter Sin Papeles par Dumbia Bass Culture. On se retrouve dans environ 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1. Hey. Comment ça va? Liga Doll, faire le bouc qu'elle ne soit plus tiens. Las lágrimas con el esfuerzo, el que no lo sabe, el porque no lo ha tenido que padecerlo. Aunque a muchos nos miran como criminales, no tienen menos por ser inmigrante. Resulta que no hacemos daño a nadie, no queremos ver en la gente ese desprecio. Lo único que hacemos es luchar por nuestra familia. Dios creó al mundo, los seres humanos crearon fronteras, pero todos somos iguales. Ah, no debemos dejar a nadie fuera. No debemos dejar a nadie fuera. Sin papeles, sin voz, sin papeles. Sin papeles, sin voz, sin papeles, sin libertad, sin papeles, sin derecho, sin papeles, sin consideración. Oh, 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 oh. Sin papeles, con dignidad. Alors, nous venons d'écouter Sin Papeles par Dumbia Bass Players. Je crois que j'ai perdu mes notes, donc je ne sais plus. En tout cas, c'est sous licence libre Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April et sur le site libreavoue.org. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Alors, nous allons continuer nos interviews donc au salon Open Source Experience, donc avec Amel Charleux, qui est maître de conférence à l'université de Montpellier. Gaël Blondel, tu es vice-président de la fondation Eclipse Europe. Oui. Donc une fondation du logiciel libre, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais on en parlera sans doute un jour dans l'émission. Donc vous êtes tous les deux membres du comité de programme, j'ai le président et une membre du comité de programme, donc on va un petit peu parler du programme. Donc première question, comment s'organise un programme sur cet événement qui a, je crois, 200 personnes intervenantes, si je me souviens bien, ouais. Un truc comme ça. Donc comment ça se marche? Comment ça fonctionne? Gaël. Alors, cette année, on a un petit peu changé de méthode par rapport aux expériences précédentes. Et en fait, on a beaucoup misé sur faire un vrai CFP. Donc on a un vrai call for paper, donc demande de proposition, appel à proposition, pardon. Et en fait l'idée c'est que voilà, on avait ce site web sur lequel on a reçu plus de 300 voire même 400 près de 400 propositions. Ouais. Et donc on avait le comité de programme avec une vingtaine de personnes qui ont évalué toutes ces propositions. Et ça nous a pris, moi je les ai toutes revues, c'était vraiment un investissement personnel important pour chacun des membres du comité de programme, donc je tiens à les remercier. Et au final, on a réussi à sélectionner 150 propositions, ce qui était quelque chose d'un peu plus compliqué parce qu'on avait moins de slots que dans les précédentes conférences. Mais on obtient un programme qui me semble du coup de très bonne qualité, en tout cas moi je suis super content. D'accord. Dans le comité de programme, il y a quoi, une vingtaine de personnes? Oui. Ouais. Chaque personne est en charge d'étudier toutes les propositions ou est-ce qu'il y a des thématiques? Est-ce que vous êtes répartis vers des thématiques, Amel? Alors, c'est réparti effectivement en fonction de nos spécialités, de nos expertises personnelles et individuelles. Et donc voilà, on était sur, par exemple moi c'était plutôt business, stratégie, écosystème. Et donc voilà, je pouvais revoir, évaluer en tout cas les propositions, mettre des commentaires. Et puis après, il y a eu une réunion globale, générale, où on a fait tout un travail de sélection collectif commun. Voilà. Donc, on quelles sont les grandes thématiques? Vas-y. Un élément intéressant, c'est qu'on avait une partie très technique. Comme d'habitude. Et puis une partie, par contre, gouvernance, stratégie open source. Et quelque part, une des surprises, c'est que dans l'appel à propositions, on a reçu près de 50% de propositions qui étaient justement sur ces sujets gouvernance, stratégie, qui du coup sont vraiment des sujets importants pour notre écosystème. De plus en plus d'ampleur. Ça a toujours été présent. Ouais. Mais là, vraiment, avoir 50% des propositions autour de ces sujets, gouvernance, stratégie, open science, tout ça, c'est quand même une tendance. Quoi. D'accord. Alors, donc, quelles sont les grandes thématiques des conférences? Alors, je vais regarder mes notes. Donc, on a, les notes de Gaël, en fait, c'est un ordinateur, il faut le signaler, je ne dirais pas quelle marque. Vas-y, Gaël. Je suis désolé. Vas-y. Donc, on a bien sûr tout ce qui est cloud, logiciel d'infrastructure, on a la cybersécurité, on a l'embarqué, l'IoT, le edge computing, l'intelligence artificielle, Internet des objets, l'intelligence artificielle, le edge computing. On a le droit de dire edge computing? Alors, je ne sais même pas comment ça se traduit. Donc. Ça se traduit pas vraiment. C'est ça, quoi. D'accord, ok. Tu m'as piégé. La robotique. Ok. Des trucs vraiment un peu techniques, voilà. du géospatial, des choses comme ça. Et puis après, il y a toute la partie, effectivement, plus gouvernance. Et là, peut-être que... Voilà, tout à fait. Donc la partie plus écosystème, gouvernance, où on va avoir des thématiques sur les business models. Voilà, c'est quelque chose qui revient finalement tous les ans depuis. Toi, tu travailles beaucoup là-dessus, si je me souviens bien. Moi, je travaille énormément sur les business models. Okay. Donc je vais animer certaines sessions justement autour des business models, de la stratégie aussi, des choses un peu plus globales. Voilà, comment amener une stratégie open source dans les grands groupes. Et puis il y a tout un volet quand même retour d'expérience où on a essayé cette année de vraiment d'avoir des témoignages, vraiment ne pas être forcément d'entreprise client, d'administration, d'administration d'entreprise, de grands groupes qui implémentent de l'open source, qui installent de l'open source, et vraiment l'open source experience, ça tient vraiment son nom, et on a vraiment essayé d'avoir du retour d'expérience pour pouvoir inspirer, puis pouvoir répliquer, créer du mimétisme, créer de l'intérêt, et puis potentiellement. J'ai une question technique parce que je vois que sur le salon web Marie Odile est là et qu'elle fait beaucoup de transcriptions. Est-ce que les conférences sont enregistrées en vidéo ou en audio? Alors une partie des salles est enregistrée en vidéo et l'autre partie est enregistrée en audio. D'accord. Et donc ça sera disponible après. Voilà, il y en a qui sont streamés directement. Ouais. C'est aussi streamé. Ah, c'est aussi diffusé en direct? Ouais. D'accord, mais je ne savais pas. Sur la plateforme de l'événement.
Bah, ceci, tout, actuellement, personne n'écoute votre direct. Tout le monde est ici sur notre direct à nous. Bien sûr. Donc là, aujourd'hui, on est mardi 9. Il est 16h20. Ouais. On va supposer que les gens qui ne sont pas sur le salon, ils vont pas venir maintenant. Ils vont peut-être venir demain, mercredi 10 novembre. Comment, pour deux types de publics différents, on va dire, le public vraiment intéressé plutôt par l'aspect technique, etc., et plutôt le public intéressé plutôt par l'aspect gouvernance et stratégie, quels sont les temps forts de demain, mercredi ? Gaël ? Alors demain, on a une salle toute la journée sur le cloud, la cybersécu le matin. Voilà, on continue sur les thématiques que je viens de citer, en fait, qui se retrouvent sur les deux jours. Moi, un élément qui me semble vraiment important, et je pense que c'est toi qui voulais en parler. Vas-y, non. Je vais citer quand même, c'est, on a une plénière Green IT. Oui, c'est ça. Qui me semble être un des temps forts vraiment importants de l'événement et qui est demain après-midi. Il ne faut pas rater ça. Et 14h30. Je pense qu'il suffirait de... Ça doit justifier à soi seul le fait de venir à l'événement. Et dans cette plénière Green IT, la présence même de Agnès Crépet de Fairphone vaut la présence. On l'a eu récemment, il y a deux semaines, avec Gaël Duval, donc pour parler de Fairphone et de et que je connais Agnès depuis très longtemps. Donc effectivement, venez demain pour l'écouter, et les autres intervenants, voilà, aussi évidemment. Tristan Nito qui Tristan sera Nito là. Tristan Nito et d'autres, voilà. Ouais. Donc effectivement... Et donc, Franck, tu voulais Amel, tu voulais parler principalement de ça ou d'autres thématiques? Alors, Green IT, mais également une allocution ministérielle, où là, je pense qu'on va quand même beaucoup parler souveraineté, et ça, c'est, je pense que ce sera un des temps forts de la journée alors de demain. Qu'est-ce que vous annoncez comme annonce? Qu'est-ce que vous attendez comme annonce? Alors... Moment, écoutez, tous les pays parlent d'OSPO, de choses comme ça, donc on espère qu'on alors OSPO, c'est centre logiciel libre dans les administrations, on va dire. Ouais, ou dans... Non, mais je l'ai pas traduit parfaitement en anglais, mais je l'ai traduit en français compréhensible. Sinon, exactement, c'est Open Source Programme Officer. Tout à fait, ouais, voilà, non, moi, je suis d'accord avec toi. Voilà, mais effectivement. Mais j'allais dire pas que dans les administrations, c'est il y a ça, aujourd'hui des OSPO dans toutes les organisations. Mais c'est vrai que ce qu'on entend, ce dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est la thématique autour des administrations. Mais tu as raison, dans les grandes entreprises, enfin dans les grandes structures, il peut y avoir effectivement ces personnes. Et aujourd'hui, là, juste avant de venir vous rejoindre, on avait un panel où avec OW2, on a lancé... Alors, c'est en anglais, mais comment le traduire? C'est en anglais, c'est Open Source Good Governance Handbook. Donc le manuel de la bonne gouvernance open source. Oui. Logiciel, voilà. Qu'on a lancé, qu'on a mis en ligne sur le site OSPOZone. Une question qui n'a pas à voir avec le comité de programme, mais plutôt avec le salon. Le dernier salon de ce genre date d'il y a 2 ans, si je me souviens bien. En tout cas, à Paris, hein, parce qu'il y en a eu à Bordeaux récemment. Est-ce que vous avez vu des différences au niveau du public, des évolutions dans le public qui vient? Est-ce que c'est les mêmes personnes? Est-ce que vous avez noté des différences ou pas? Moi, par exemple, j'ai pas vu beaucoup d'étudiants ou d'étudiantes sur le salon pour le moment, alors qu'il y en avait beaucoup avant. Alors peut-être parce qu'on est le mardi, peut-être qu'il y en aura plus le mercredi. Mais est-ce que vous avez noté soit des différences par rapport au public qui vient, soit par rapport à leurs questions, leur centre d'intérêt? Alors moi, déjà, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait beaucoup de public. Oui. Quand même. Et ça, c'est plutôt sympa parce qu'on est dans une période où c'est pas nécessairement facile la démarche de se dire je vais aller à un événement en présentiel. Et donc, les gens sont au rendez-vous quand même. Et donc, ça, c'est important. Et c'était quand même un peu l'inquiétude avant. Oui, d'accord. Après, sinon, j'ai pas eu énormément de temps de discuter. Non, mais c'est une question un peu piège parce que j'ai eu comme ça, donc alors moi, pas forcément la réponse. J'ai animé des sessions il y a 2 ans, en 2019, le dernier Paris Open Source Summit. Et donc, j'anime également des sessions ici. Alors, je retrouve pas mal de personnes que j'ai déjà rencontrées la fois passée. Donc, il y a des fidèles, on va dire, qui reviennent, qui sont contents de revenir. Et après, c'est vrai que sur la population étudiante, il y a peut-être un peu moins de... Il faudra faire des stats à la fin de la session. Je pense qu'on n'est pas très bon là-dessus. Mais on se posait la question aussi ce matin dans peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de clubs par organisation dans les universités et autres. Je te faisais la référence sur les étudiants et étudiantes parce que c'est vrai qu'historiquement, si tu te souviens bien, on avait toujours une tripotée d'étudiants et étudiantes qui arrivaient avec des fois même avec leur CV pour certains. Oui. Et aujourd'hui, je l'ai pas vu. Mais peut-être que ça sera demain, mercredi, je ne sais pas. Peut-être que c'est un élément de com qu'on a moins fait, c'est possible aussi. D'accord. Une petite question concernant les intervenants et intervenantes, j'ai regardé un petit peu. Est-ce qu'il y a eu un travail, enfin comment est prise en compte la diversité plutôt dans les intervenants et intervenantes? Alors on avait des objectifs plutôt ambitieux d'avoir 20 ou 30% d'intervenants féminines sur le salon. Et on n'a pas complètement réussi.
Après, on a eu des actions spécifiques vers des associations comme les Duchesses, par exemple, des associations fait partie de développeuses. Voilà. Exactement. On a essayé autant que faire se peut d'avoir toujours une certaine diversité dans les panels, les tables rondes, etc. Donc voilà, c'était un point d'attention. C'est un point sur lequel le résultat n'est pas complètement satisfaisant, mais je pense qu'on a... Amel, oui, là-dessus. Et puis surtout, demain justement, ceux qui sont intéressés par la diversité dans l'IT finalement, il y a une session open source responsable où justement on va parler de la place des femmes finalement, de la représentation des femmes dans ce milieu finalement qui est assez masculin, mais où on prend de la place, hein, et donc... À quelle heure? Donc c'est à 16h30 demain. D'accord. Open source responsable. Les objectifs c'était quoi? C'était 30%, quelque chose comme ça au moins? Ouais, on espérait. Au départ, ouais. C'était 30%, oui. Là, j'ai vérifié, vous étiez à peu près à 15%. Alors après, il faut aussi savoir que les gens qui nous écoutent, que vous êtes aussi le reflet du milieu dans lequel vous évoluez, qui réalité. Est un milieu très très masculin. Mm. Nous-mêmes à la radio, on est aussi le même reflet-là. On arrive à avoir 30% d'intervenantes, mais c'est parce qu'il y a vraiment une recherche qui prend beaucoup de temps et qui est nécessaire. Et voilà, on part aussi de loin dans le milieu, parce que dans le milieu de l'informatique, ouais. Notamment libre, c'est plutôt du 5 ou 6% de femmes. Et donc de ce côté-là, voilà, c'est une démarche qui est importante, mais qui n'est pas forcément évidente. Hein, Pour le futur de l'open source experience, il me semble que ce qui serait vraiment bien, c'est justement de continuer ce travail sur la représentation des femmes, la diversité justement dans la communauté dans laquelle on évolue, qu'on souhaite représenter, mais aussi travailler peut-être justement au niveau européen. Oui. Et là, on pourra éventuellement peut-être agréger aussi davantage de mixité à un niveau plus global, au-delà de la France, et essayer d'accord. d'amener des intervenants. En tout cas, Marie-Odile sur le salon salue l'effort qui est fait. Oui. Donc voilà quoi. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport au salon? Qu'est-ce que ça vous fait? Tiens, si une question, qu'est-ce que ça vous fait de revenir dans un salon? Tout à l'heure, tu disais, ouais, le salon, enfin les événements publics, avec masque, dans des conditions c'est un peu particulier. Qu'est-ce que ça vous a fait de revenir dans un tel salon aujourd'hui? Bah, c'est cool. C'est cool. Ouais, un moi, grand plaisir. Là, ils sont. Alors là, je peux vous dire que je vois les sourires parce que exceptionnellement pour l'interview, ils ont enlevé les masques. Donc ça fait plaisir. Oui, ouais. Énormément. Et vous sentez que le public aussi il est content de revenir finalement? Ouais, je pense ouais. que. Et les intervenants et intervenantes même... aussi. Ouais, aussi en tant qu'intervenant, je pense que c'est intéressant de. Bah, ça fait quand même 18 mois là où on a fait que du Big Blue Button ou du Zoom ou voilà quoi. C'est. Oui. Voir des gens en vrai, c'est bien. Après, faut se réhabituer quoi. À parler devant des gens. Oui, des vrais gens. C'est pas évident. Oui, tout le monde n'était pas forcément ravi. Il y en a qui disaient ouh là là, ça fait presque mal de voir tout ce monde là. Ah oui. Et puis le problème, c'est qu'avec les masques et avec les 2 ans de plus pour certains, on a pris peut-être des cheveux blancs et autres, et des fois, on ne reconnaît pas forcément tout le monde. Tout à fait. Dernière question, bah, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur le programme, sur l'événement, ou sur autre chose, hein, si vous avez envie de parler d'autre chose en une minute ou deux? Non, alors moi, je voudrais juste Gaël. Peut-être ajouter un ouais. truc, c'est. Aujourd'hui, on a un événement qui est colocalisé avec le CIDO, qui est aussi un événement sur l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, etc. Alors, côté CIDO, il y a certainement aussi de l'open source, mais en tout cas, ce n'est pas ce dont il parle. Mm-hmm. Mais je pense que c'est intéressant, de mon point de vue, pour l'open source experience, parce que ça nous permet, malgré tout aussi, d'être ici. D'être en fait, au palais des congrès. Alors, est-ce que je peux poser une question ouais. financière? La question que je me posais, pas forcément financière parce que toi t'es pas organisateur. Ouais, moi je suis pas. Voilà, mais la question que je me posais, c'est est-ce que finalement le fait d'être au palais des congrès, c'est parce que justement il y avait le CIDO qui est à côté et peut-être un peu de place qui a permis à l'organisateur de se dire finalement on organise 2 salons au même endroit. Ah, mais dont c'est l'un. Un deal avec c'est les deal. Organisateurs d'accord. du CIDO. C'est, okay. Voilà, eux ils voulaient faire quelque chose et on a fait un deal avec eux d'accord. pour avoir Open Source Experience en même temps que le CIDO. Et moi je pense que c'est un bon deal pour tout le monde quoi. Parce qu'on est voilà, au Palais des Congrès, au centre de Paris. Alors, c'est quand même. Il y a ça. Alors, une petite remarque, c'est qu'il aurait peut-être fallu avoir une signalétique un peu plus précise pour que les gens sachent dans quel salon. Mais par contre, ce qui est effectivement positif, c'est que moi, il y a plusieurs personnes qui sont venues sur nos stands et à chaque fois, je leur posais la question, est-ce que vous venez pour le salon logiciel libre? Et beaucoup ne savaient pas qu'ils étaient sur un salon logiciel libre parce qu'ils étaient venus initialement pour le salon CIDO. Donc ça fait ouais. venir du monde, en fait. Et ça fait partie des choses ça, qu'on a bien. Discuté avec les organisateurs. Ça, c'est très bien. C'est ouais. que l'entrée se fait côté open source.
À l'entrée des deux salons. L'entrée de tout le salon se fait côté open source. Vous êtes trop fort. Donc ils arrivent tous ici en fait. Ils sont piégés. Ils sont piégés. Ok, très bien quoi. Et toi Amel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Eh bien écoute, cette remarque sur la colocation Sido qui n'est pas open source et l'open source experience me permet justement d'ouvrir sur quelque chose que je trouve vraiment intéressant. On a passé une période de Covid, on a vu des laboratoires pharmaceutiques se mobiliser, s'ouvrir, travailler en collaboration. Et je pense que ce qui est intéressant pour l'open source, c'est voilà, maintenant on se connaît dans l'IT, etc. Mais ce qui est bien, c'est d'arriver à exporter le modèle dans des secteurs qui sont par ailleurs, qui ne font pas forcément naturellement de l'open source, comme la pharmacie, comme d'autres industries. Et je pense que ça, c'est déjà un bon pas de commencer à faire des salons avec des organisations qui ne sont pas nativement open source. Quoi. Voilà. Bah, écoute, merci belle conclusion. Donc c'était Amel Charleux et Gaëlle Blondel. Mais écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Et bah voilà, à bientôt. Puis bonne bientôt. Continuation de salon. Merci, au revoir. Merci. Alors on va inviter nos deux, parce qu'on fait tout en direct, nos deux intervenantes de derrière, de suivant pour l'organisation, enfin pour le sujet suivant. Avant de faire tout à l'heure une pause musicale. Donc je vous raconte, elles sont en train de s'installer, je vous raconte tout en direct. Hein. Donc il y en a une qui sort une bouteille d'eau, l'autre qui discute, c'est pas comme si on était en direct, mais c'est pas grave. Donc pas besoin de prendre le. Je suis en face de toi, donc tu m'entendras. Ok, donc mesdames, monsieur, Magali Garnero, alias Bouquinette. Salut. Salut Magali, Isabella Vanni, alias Isa. Salut Isa. Bonjour. Donc avec toutes les deux, donc Magali, tu es multicasquette associative, Framasoft, April, etc. Isabella, tu es ma collègue en charge de la vie associative et responsable projet à l'April. Et donc notamment Magali, toi tu es particulièrement occupée du salon village associatif, on va plutôt dire, hein, c'est-à-dire de trouver un petit peu les exposants qui voudraient participer, parce qu'une spécificité de ce salon, et qui existe depuis le début des salons logiciels libres à Paris, c'est qu'en fait il y a un village associatif dans lequel il y a des associations qui sont invitées gratuitement, c'est-à-dire qu'on ne paye pas pour le stand. Alors déjà, première question, voilà, comment s'est passée l'organisation de ce village associatif? Comment les associations se sont déclarées elles-mêmes? Comment tu as fait comment le choix s'est fait? Alors, comment ça s'organise un tel village? Par contre, tu parles vraiment près du micro. Il existe une mailing list qui s'appelle villageasso@parinux.org sur laquelle les associations peuvent s'inscrire. Et une fois qu'elles sont inscrites, une fois par an, elles reçoivent un petit mail en disant « Ouh, coucou, il y a un salon qui s'organise. Si vous voulez participer, inscrivez-vous ». Et souvent, on s'inscrit soit par mail, soit allant, sur cette année par exemple, sur le formulaire de contact de l'événement. Ensuite, on récupère toutes les inscriptions et on, si je puis dire, on trie pour savoir s'il y aura de la place pour tout le monde. Ça, c'est toujours l'espoir un peu déçu. Et puis ensuite, les associations sont contactées par l'événement et on leur attribue un stand. Le plus amusant, c'est quand je fais le plan des stands pour savoir qui je mets à côté de qui. Oui, d'ailleurs, j'ai vu que certains stands étaient l'un à côté de l'autre pour des raisons, on va dire, personnelles, de personnes qui animent. Alors, pourquoi les associations viennent sur ce genre de stand? Qu'est-ce qu'elles viennent y chercher? Alors, de la visibilité, mais aussi des contacts, des gens qui ont envie de les voir. Des fois, c'est juste pour faire coucou aux copains qu'on n'a pas vus depuis 2 ans, puisque l'année dernière, il n'y a pas eu de salon. Et puis, c'est souvent quand on se rend compte que des projets naissent. D'accord. Isabella, donc toi, ça fait plusieurs années que tu t'occupes notamment de la préparation et de l'organisation du stand de l'April. J'ai une première question par rapport à toi et aux bénévoles. Est-ce qu'il y avait un sort de plaisir ou d'excitation à revenir sur un salon, ou au contraire, est-ce qu'il y avait de l'inquiétude? Ou peut-être les deux mélangés, je ne sais pas. J'ai pas vu du tout d'inquiétude. J'ai vu beaucoup d'enthousiasme. Il y a plein de bénévoles qui ont répondu à l'appel que j'ai fait. J'ai même pas eu besoin d'en faire un deuxième. Et sous le stand, comme d'habitude, ils étaient souriants, contents d'être là. On a eu plein de gens qui sont passés sous le stand, qui sont venus régler leurs cotisations, parce qu'il y en a qui ont envie de profiter de ces événements-là pour faire un coucou et pour payer leurs cotisations. Donc non, aucune trace d'inquiétude. D'accord. Que du bonheur. Que du bonheur. Alors tout à l'heure, je demandais à Amel et Gaël s'il y avait un sentiment par rapport à la typologie du public qui visite le salon. Je vais vous poser un peu la même question, parce que voilà, toutes les deux, ça fait plusieurs années que vous participez à des salons. Est-ce que vous avez senti un changement par rapport aux gens qui viennent, que ce soit en termes de profil, en termes de questions, en termes de connaissances par rapport au logiciel libre? Qui veut commencer? Isabella. Alors, pour l'instant, j'ai pas été énormément sur le stand, hein, parce que
en tant qu'organisatrice de la participation de l'April, je bouge aussi beaucoup. J'ai vu des adhérents de l'April, j'ai vu des gens qui ne sont pas adhérents mais qui connaissent déjà le logiciel libre, l'April, il n'y a pas de souci. Il y a des entreprises aussi qui se sont rapprochées. Peut-être que j'ai vu moins de jeunes. On avait peut-être des étudiants. C'est ce que je disais tout à l'heure justement à Gaël et à Mel. Oui. Ouais. Et donc on verra. C'est peut-être tôt pour le dire. Il faut peut-être voir demain, mais c'est peut-être ça la différence que j'ai vue. Alors ils ont grandi. Les étudiants qu'on voyait les années précédentes, maintenant ils ont monté leur SKIC ou leur COP, où ils travaillent dans des entreprises, où ils cherchent du boulot. Et donc en fait, il y a cette continuité qui est toujours là. Mais effectivement, il y a beaucoup moins d'étudiants. Par contre, les profils sont toujours un peu les mêmes. On a vu des agents publics, on a vu des geeks, on a vu des informaticiens, on a vu plein de gens, on a vu plein de copains aussi qu'on n'avait pas vu. Donc, voilà. D'accord. Alors, demain, mercredi 10 novembre de 12h30 à 13h15, il y a un temps associatif qui s'appelle Section d'Assaut. Et quand je lis la description, alors linuxfr.org, qui est un site d'actualité du logiciel libre, April, Framasoft, qui sont deux associations bien connues du monde du logiciel libre, et tous leurs acolytes libristes vous proposent sur l'heure de déjeuner un panorama sympathico-ludique des associations du libre. Magali, c'est toi qui organise ce truc-là. Alors, qui co-organise, qu'est-ce que ça va être moi, ce machin ? Je co-organise et ça va être trois quarts d'heure de moments sympas, c'est-à-dire que le premier quart d'heure, ça va être une rétrospective de toutes les associations qui ont eu la gentillesse de venir sur Open Source Experience. Après, on va avoir 15 minutes de musique, puisque je pense que Clément va aussi nous jouer de la guitare. Alors, Captain, qu'on a eu tout à l'heure, va refaire un petit mini-concert. Voilà. Et puis, les 15 derniers moments, ça sera le moment quiz, où on posera des questions et on fera gagner des lots comme des livres ou même une trottinette électrique. D'accord. Donc faut venir, quoi. Faut se priver de manger et venir pour ces 45 minutes merveilleuses avec nous. Ça sera un vrai moment fort. Tu veux dire que vous n'avez pas prévu de repas pour les gens qui vont venir ? Non ? Moi qui n'ai toujours pas mangé depuis tout à l'heure. Bon, plus sérieusement, donc c'est entre 12h30 et 13h15. Demain, c'est en quelle salle ? Tu ne sais pas, d'accord, ok. Alors Gaël et Amel étaient beaucoup plus professionnels parce qu'ils avaient leur programme sous les yeux. Je crois que c'est la salle Maillot. C'est la salle Maillot, donc c'est la grande salle. La grande, oui. Ça aurait pu être la salle Ketchup. Non, mais il suffit... suffit de suivre le mouvement. Je pense. T'as vu, j'ai réussi à placer du Burger Quiz. Bon, plus sérieusement, donc finalement, au niveau des assos, tu as pu caser toutes les assos qui étaient candidates ? Alors non, on n'a pas pu caser tout le monde parce qu'on n'avait que 15 places au départ et on a eu plus d'une trentaine d'inscriptions. Donc il a fallu faire un choix. C'était tellement compliqué qu'on est passé de 15 à 18. Donc je remercie l'organisation pour les trois stands supplémentaires qu'ils nous ont accordés. Et puis après, il a fallu faire un choix. Donc tous les groupes d'utilisateurs de logiciels libres ont été refusés. Donc Parinux, par exemple, n'était pas là, puisque on a estimé que c'était plutôt entreprise ou plutôt international. Et après, on a demandé à des associations si elles acceptaient de partager des stands. Il y en a qui ont accepté et il y en a qui n'ont pas accepté. Donc le choix s'est fait tout seul, en fait. Et est-ce qu'il y a des nouvelles associations par rapport aux dernières éditions ? C'est un peu une question piège, hein. J'ai juste d'y penser, mais non. Je crois pas. J'ai pas l'impression. Parce que logiquement, il y avait une association nouvelle qui devait être là, et finalement, je les ai pas vues sur le plan final, sur le plan qu'on m'a remis dernièrement. Donc je pense que non, ça a été remplacé par d'autres. Et on va préciser que sur les stands, les gens peuvent peuvent récupérer aussi des autocollants, etc., et des super t-shirts. Moi, j'ai par exemple acheté un sweat de Debian qui est magnifique, mais il en reste plus beaucoup, donc on peut... Dépêchez-vous. Et voilà. Et alors, Isabella, sur le stand... Alors, même si tu m'as dit que tu n'avais pas été très souvent sur le stand de l'April pour le moment, est-ce que tu sais s'il y a des questions qui reviennent régulièrement ou des questionnements, enfin, ou des centres d'intérêt particuliers pour les personnes qui visitent ? On nous a un petit peu sollicité sur notre communication. Les gens étaient contents de voir qu'on avait des nouvelles choses à proposer. Alors c'est très marrant parce que sur le salon web, Antoine demandait est-ce que les plaquettes sont bien imprimées. Donc Antoine qui est notre graphiste, je lui ai répondu oui. Les plaquettes non seulement sont bien imprimées, mais toutes les personnes qui les ont vues ont dit mais c'est super bien ça. Donc on remercie Antoine Bardelli, Vraiment, qui est notre graphiste bénévole. De remerciements à Antoine qui a travaillé en plus dans l'urgence.
Et là, il a été génial. Et donc, on est super contents. Ouais, des fois, dans l'urgence, il fait des trucs bizarres, mais bon, j'en profite parce que je vois aussi Vincent Calame qui est encore là, qui était en chronique tout à l'heure, pour dire que le site web libreavoue.org, le nouveau dont j'ai parlé tout à l'heure, le design, c'est Antoine Bardelli, la mise en œuvre sous SPIP, c'est Jean Galland et Vincent Calame. Et Jean Galland interviendra le 23 novembre dans une émission consacrée à SPIP, donc je les remercie grandement. Alors je regarde l'heure parce qu'on va bientôt faire une pause musicale, on a encore quelques minutes éventuellement, puis de toute façon après on n'a pas de sujet. Donc si vous trouvez des gens qui ont envie de parler, notamment des gens qui visitent le stand et qui parlent d'expo et qui ont envie de parler, n'hésitez pas, mais on va faire une petite pause musicale. Donc bon. Et au niveau le fait d'avoir un salon à côté, ce que disait Gaël Blondel tout à l'heure, donc le salon Sido, ça fait venir du monde différent. Est-ce que vous avez vu ça sur les stands? Moi je l'ai constaté Moi j'ai vu des gens qui avaient des badges Sido, donc qui n'est pas forcément pour nous, et qui sont arrivés jusqu'au village. Donc déjà qu'ils aillent open source expérience, c'est bien, mais qu'ils arrivent jusqu'à nous, c'est déjà miraculeux. Il y a des bonnes ondes au village, donc c'est normal. Il y a quoi? Il y a des bonnes ondes sur le village. Ah, des bonnes ondes, d'accord. Okay. J'ai pas compris. Il y a une chaleur surtout qui... Oui, il y a une grosse chaleur, surtout avec les masques. Il y a de la buée aussi sur les lunettes. On est trois à avoir des lunettes, là, donc... Voilà. D'accord. Donc oui, ça ramène des gens, et puis des gens qui connaissent pas forcément le logiciel libre. Donc j'ai quand même dû expliquer deux, trois fois les quatre libertés. Et du coup, bah, nous, ça nous permet aussi d'aller voir des nouveaux stands qu'on ne connaissait pas, et c'est très instructif. D'accord. Par ailleurs, demain, mercredi, c'est la ronde des... On va faire notre promenade... annuel traditionnel, c'est-à-dire qu'on va remercier personnellement toutes les entreprises qui sont membres à l'April et qui sont présentes sur le salon. Ouais. On va leur remettre le panneau membre April s'ils ne l'ont pas, s'ils l'ont oublié, ça arrive. Et c'est l'occasion de faire connaître l'April aussi à de nouvelles entreprises. Et de les motiver pour qu'ils deviennent adhérents. Tout à fait. Voilà. Bah écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la partie village associatif ou sur autre chose d'ailleurs, hein, je sais pas. On a raté les glaces, on est un peu déçus, mais... Attends, j'ai pas entendu. Vous avez ramené quoi? Il y a une entreprise, Scream, qui distribuait des glaces et on est arrivé trop tard, il n'y en avait plus. Mais on lui a fait les yeux doux, on espère en avoir demain matin. D'accord. Alors, sinon, il y a des entreprises qui ont des bières. D'ailleurs, on remercie Vortex de nous avoir ramené deux bières pour Étienne et moi. Ouais, mais je crois que nous, on préfère les glaces. Oui, non, mais je sais, ouais. Bah écoutez, c'était Magali Carnero et Isabella Vanni pour la partie village associatif. Hein. Je vous remercie, puis on va faire une pause musicale. Alors, on va danser encore avec un groupe que j'adore qui s'appelle The Freak Fandango Orchestra. On va écouter Let As Usual. On se retrouve dans environ 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune.
Nous venons d'écouter Let As Usual par The Freak Fandango Orchestra. Titre disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. J'en profite pour signaler que le groupe The Freak Fandango Orchestra a sorti un nouvel album, un projet parallèle qui s'appelle Two Bullets for the Devil, dont le style est très différent de leur musique habituelle que nous venons d'écouter. Un extrait de leur description: c'est comme être dans un film de Sergio Leone en écoutant les Ramones et en buvant de la bière blonde pas chère. Je précise que les Ramones, c'est un groupe formé dans les années 70 qui est cité comme le premier groupe de punk rock. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune. Puis en podcast. Alors, nous avons changé de sujet, et là, on va improviser, parce qu'on voilà, comme on était un petit peu en avance, Magali nous a trouvé une intervenante, donc Nathalie, qui va nous parler de Primtux. Alors, Primtux, c'est quoi, Nathalie ? Alors, bonjour à tous. Primtux est une distribution éducative qui est développée pour les familles et pour les établissements scolaires. Mais on peut l'utiliser en IME aussi et en association. C'est quoi ? Ben, c'est une distribution sur laquelle vous allez trouver un système d'exploitation complet. Vous récupérez un ordinateur qui date de 2003, à partir de cette date-là. Il vous faut très peu de capacité mémoire, 62. Et vous pouvez installer dessus quelque chose qui va vous permettre de faire travailler vos élèves en français, en mathématiques, en logique, en programmation. Les programmes sont inclus à l'intérieur, tout est importé. Les enfants sont donc dans un environnement sécurisé. Mais c'est de la ludopédagogie, parce que tout ça, ce sont des jeux. Ce sont des jeux que vous connaissez. Il y a des jeux qui sont... La Logitech comprend par exemple Abulidu, elle comprend des préactivités, Aldeco, etc. Mais vous avez aussi de quoi faire du traitement de texte, de quoi de faire de la musique, de quoi de faire du film, du montage vidéo. Et en fait, elle est suffisamment complète pour se suffire à elle-même jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Donc les enfants ne vont pas sur le web. Ça fonctionne avec Quant. Et Quant, ça permet de sécuriser. Donc Quant, le moteur de recherche. Le moteur de recherche Quant, exactement, qui permet de filtrer nativement, a été renforcé pour que les jeunes enfants puissent aller dessus. Il y a même, et c'est là que c'est formidable, un Andi-menu. L'Andi-menu permet à des parents ou des enfants ou des adultes 10 de disposer d'un système de lecture et d'écriture amélioré et simplifié. Donc voilà ce qu'on peut faire. Dedans, il y a des choses, mais vraiment très, très diverses. Moi, je m'en sers en tant que médiatrice en formation pour des adultes qui sont allophones, pour des gens qui sont en retour à l'écriture. Mais on peut s'en servir avec des très jeunes enfants à partir de 3 ans. Comment je manipule la souris, comment je manipule le clavier. On peut apprendre à travailler en équipe dessus aussi, à plusieurs. On fait des pulses, des G-clics. On s'en sert en process de neuroscientisation des apprentissages en 3, 6, 9. Temps de mémorisation. Je présente l'information à 3 jours, à 9 jours, etc. Et je peux repréparer des parcours pour mes enfants, pour mes élèves. Et je peux regarder leur progression et leurs bénéfices. D'accord. Donc, comment on utilise ou comment on installe cette distribution ? On va sur un site web. Tout à fait. Et on récupère une ISO. Il va falloir... Alors, une image ISO qu'on met sur clé USB, oui, et qu'on installe ensuite sur l'ordinateur. Où est-ce que ça fonctionne ? Les deux. Ah, les vas-y. Deux, mon capitaine. Vas-y. Vous avez la possibilité de récupérer sur https://primtux.fr. PRIMTUX.fr. Quand vous êtes là, vous avez la possibilité de récupérer une image ISO. Cette image ISO, vous la prenez, soit vous la mettez sur une clé ou sur un CD-ROM, c'est comme vous souhaitez, si vous avez encore un lecteur de CD-ROM. Ensuite, vous la déployez, vous la mettez sur votre machine. Soit vous la mettez en résidente, soit vous la laissez sur la clé et vous faites ce qu'on appelle une clé bootable. Et donc, n'importe où où vous allez avec vos enfants, ils vont pouvoir travailler, retrouver leur environnement. Si la clé est suffisamment grande, vous pouvez même stocker le travail des enfants dessus. La rédaction à préparer, l'exercice de mathématiques, et vous pouvez travailler en complément avec l'ENT Libre, qui fonctionne aussi dessus. D'accord. Et Primtux, c'est une distribution qui est faite par qui, en fait ? Par des passionnés, et moi je veux ici remercier des celles de leur français travail. Ou des... Ah oui, c'est oui, totalement. C'est, donc des... c'est fait en France. C'est fait. Ah oui, pardon mon bon monsieur, c'est dans le Nord. Dans le Nord en plus. C'est dans le Nord. Ah. Alors ils ne sont pas tous du Nord. Bah, sérieusement, c'est fait par une association, par un c'est groupe. C'est fait par 5 personnes. C'est un 5 monsieur personnes. Qui s'appelle Stéphane Dedon, qui est à la base directeur d'école primaire, il était à Calais. Et il était comme moi, il était en Ré+. Et donc c'est pour ses besoins qu'il a commencé à faire cette distribution. Il a commencé à faire cette distribution. Ensuite, il a dit mais c'est trop bien et il a continué.
Et après, il y a Philippe qui l'a rejoint. Il y a Mozart. Un jour, je vais apprendre le nom de cette personne. Je ne sais pas comment elle s'appelle dans la vraie vie. Et il y a Cyril. Il y a Marc Épienne qui est avec nous. Et ah oui. Il y a le Ch'ti 5933. C'est comme les fourmis chez nous. On est trop nombreux sur la zone, donc du coup, on n'a plus de nom. On a des pseudos et on a des numéros. Et en fait, il y a Philippe Enaf aussi. Il y a Turin. Enfin, il y a énormément de gens qui participent. Mais le noyau dur, c'est 5 personnes le soir, le samedi, le dimanche, les vacances. En fait, ces gens-là se réunissent. Il faut avancer la distribution. Et avec Marc Épienne et d'autres personnes, nous, on la pose dans les écoles. Comment ça fonctionne ? Une enseignante téléphone ou un enseignant, il nous dit, voilà, dans mon école, j'ai besoin de quelque chose, j'ai pas d'ordi. Est-ce que vous pouvez nous trouver un ordi ? On leur dit oui, on leur dit non. Sinon, ils ont des vieux ordis au fond de la classe. On les prend, on les formate, on installe la distribution et moi, je les forme pédagogiquement à l'usage. D'accord. Donc, quand tu dis les écoles, c'est des écoles autour de l'Oise, dans l'Oise, c'est pas ça ? Seulement, il y en a sur toute la France. Il y a une carte sur le site de primetux.fr. Vous allez trouver une carte. Sur la carte, vous avez les endroits où il y a les gens qui l'utilisent et il y a des gens qui acceptent de vous aider à l'installer. Des personnes ressources. Des personnes ressources. Et il y en a sur toute la France. Bah écoute, c'est super. Et là, on le développe sur réseau Canopé pour que ça puisse arriver partout. Et si on veut vous rencontrer physiquement au salon Open Source Experience au Palais des Congrès, c'est aujourd'hui et demain, mercredi 10 novembre, donc au Palais des Congrès, vous êtes dans le village associatif. Stand A05. A05. Ben écoute, merci Nathalie. Je vous en prie. Voilà, donc je répète, primetux.fr. Et donc c'était Nathalie qui est membre de ce collectif, en tout cas de personnes qui développent. Voilà. Ben écoute, bonne fin de salon Nathalie. Alors, on approche de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors, on va terminer par quelques annonces assez rapidement. En tout cas, je vais déjà essayer de transférer le micro à Étienne qui va intervenir après. Alors déjà, dans les annonces, avant que le temps qu'il récupère le micro, je vous le disais tout à l'heure en introduction de l'émission, nous avons ouvert un site web dédié à l'émission. Donc le site web, le but c'est de rendre en fait les émissions Libre à vous encore plus visibles. Donc l'adresse du site web c'est libreavoue.org tout simplement. Donc ça a été mis en place avec le système de gestion de contenu libre SPIP. Nous parlerons de SPIP dans l'émission du 23 novembre 2021 avec notamment Jean Galland qui est l'un des trois bénévoles avec Vincent Calam et Antoine Bardelli qui a mis en place ce site. Avec également deux autres personnes de l'équipe de SPIP. Donc rendez-vous le 23 novembre. Alors vous y trouverez plus de 120 émissions découpées en sujets individuels avec un gestion des chapitrages, de la vitesse de lecture. Vous pouvez également noter ou commenter les différents podcasts et c'est important de recevoir des retours parce que voilà, on parle à la radio, là on parle devant un micro, on n'a pas de gens en face de nous, exceptionnellement aujourd'hui on en a, mais pour nous faire des retours, donc c'est important pour nous d'avoir des retours qui nous par rapport aux propos tenus et aussi des suggestions. Donc je vous rappelle le nom du site libreavoue.org. Avant d'oublier, je vais répondre à la question du quiz. Donc, je vous rappelais le quiz, deux entreprises du libre fêtent respectivement leurs 15 et 10 ans cette fin d'année, quelles sont-elles? Donc la première, on l'a dit tout à l'heure, c'est Alterway qui fête ses 15 ans. La seconde, c'est InnoCube qui fête ses 10 ans. Et la deuxième question, c'est quelle association francophone libriste va fêter ses 25 ans en cette fin d'année? Et c'est tout simplement l'April. Hein. Déclaration au journal officiel, enfin la préfecture le 20 novembre 1996 et publication au journal officiel le 18 décembre 1996. Et j'en profite aussi pour passer une pensée amicale à nos amis du GCU Squad, ce collectif qui fête également ses 25 ans et qui a animé de nombreux salons logiciels libres, mais qui malheureusement depuis quelques années n'est plus présent. Dernière annonce musicale avant de passer la parole à Étienne. Stone From The Sky, qui est un groupe français de stoner qui publie en licence libre, sort un nouvel album début novembre. Certains titres sont déjà disponibles. Le groupe publie sa musique sous licence libre et vous pouvez écouter ou lire la transcription de l'échange avec Dimitri Even dans Libre à vous. C'est le Libre à vous numéro 39. Alors c'est facile pour le retrouver, vous allez sur libreavoue.org/39 et sur la page de l'émission libreavoue.org vous trouverez un lien vers le nouvel album de Stone From The Sky et c'est assez rare de trouver du stoner libre. Et dernières annonces, et après je passe la parole à Étienne. Demain, mercredi novembre, deux conférences April. Bénévoles libres, une réussite collective à 9h30 par ma collègue Isabelle Vanille. Et deuxième conférence, promouvoir et défendre le logiciel libre avec l'April. Une conférence d'Étienne Gonu et Isabelle Vanille. Pareil, mercredi 10 novembre à 10h30 au salon Open Source Experience. Tous les autres événements sur l'agenda du libre. Et donc, dernière annonce. Je commence à arriver à la fin de ma voix. Tout à l'heure, à 17h, il y a la remise des trophées du territoire numérique libre.
Étienne, tu as eu le grand plaisir d'assister au jury. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments avant même la remise des prix? Ah ben, on va profiter de Libre à vous pour faire quelques exclus, effectivement. Donc, moi, je représente l'April avec d'autres associations au sein de ce label Territoire Numérique Libre, hein, qui est donc un label initié par l'association Adulact, qui est, on va dire, une association libriste tournée vers les collectivités territoriales. Et donc, depuis 6 ans, nous étudions les dossiers de candidature des collectivités qui œuvrent pour l'informatique libre au sein de leur collectivité. Donc, c'est vrai que là, c'était en plus dans un contexte de la pandémie. Donc, on a pu noter notamment dans les contributions. Ça fait partie maintenant des actions des collectivités. Aussi, dans un contexte, on a eu un questionnaire qui a été mis à jour pour refléter notamment, c'était une des volontés du jury, les pratiques, on va dire, responsables et notamment tournées vers, voilà, parce qu'on a une informatique plus responsable et donc plus durable également. Donc une évolution du questionnaire qui s'est notamment du coup traduit effectivement par une notation un peu plus rigoureuse, on va dire, mais ça traduit peut-être aussi, je pense, plus à fond l'exigence qu'on peut avoir avec depuis 6 ans. Voilà, les exigences augmentent, mais en tout cas les collectivités étaient au rendez-vous avec notamment de très belles candidatures. Moi je retiens notamment bien sûr celle, et là on va dire annonce exclusive, d'Abbeville. Abbeville, donc. Abbeville, voilà, donc qui est alors j'ai pas révisé ça, je crois qu'elle est dans l'Oise, mais vraiment en tout cas une excellente candidature déjà par sa qualité rédactionnelle. C'était vraiment très agréable à lire. Ils font beaucoup de très belles choses, notamment tournées, parce qu'on regarde ce que font les collectivités en interne dans leurs pratiques, on va dire, de tous les jours, dans les logiciels métiers, sur les postes de travail de leurs agents, et puis ce qu'elles font tourner vers les citoyens et les citoyennes. Et Abby était très bien sur ces deux aspects. Et donc, elle a atteint le niveau maximal, le label 5. Le label 5 sur du territoire numérique libre, voilà, le label TNL fonctionnant de 1 à 5. Donc félicitations à Abbeville et félicitations également au village de Lettré qui a candidaté, alors qu'il y a un label 2, mais c'est une très belle réussite. C'est un village de 180 âmes. Et donc voilà, félicitations à Lettré pour ses actions. Bah écoute, merci Étienne. Et le reste des récompenses pour ce label à partir de 17h au salon, et puis sinon sur le site territoirenumériquelibre.org, et vous retrouvez les références évidemment sur le site aussi de l'émission libreavoue.org. Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour: Vincent Calam, Clément Houdot dit Captain, Philippe Montargès, Catherine Nuel, Sun Nguyen Kim, Gaël Blondel, Amel Charles, Magali Garnéo, Isabella Vanni, Nathalie, dont j'ai pas vu le nom de famille, aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu, qui a assuré comme un chef de la régie mobile pour sa première. Cette émission est rendue possible grâce à une équipe en or, et notamment pour la post-production des podcasts: Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Langue 1, Quentin Gibault, bénévole à l'April, et bien sûr l'incroyable Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Vous retrouverez sur le tout nouveau site web de l'émission, le tout nouveau site web tout beau, fait avec Spib, avec amour, libreavoue.org, toutes les références utiles. Ainsi évidemment que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavoue.org. Et le site web de l'April, ça reste toujours april.org, c'est le prochain site qui va être migré en SPIP, je signale suite à Antoine qui va nous écouter encore. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître évidemment également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. Il y a de nombreuses émissions qui arrivent sur l'antenne cette semaine sur la radio la Voix des Possibles, donc n'hésitez pas à vous connecter dessus, causecommune.fm. Notre prochaine émission n'aura pas lieu en public, mais en direct, toujours depuis le studio de la radio, mardi 16 novembre 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur Garadin, un logiciel libre de gestion. Non, ce n'est pas Garadin, donc Gardine. Ah, il faut dire Garadin. D'accord, ok. Donc, je le répète, notre sujet principal portera sur Garadin, un logiciel libre de gestion d'association, animé par Laurent Costi et préparé par Isabella Vanni. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et une belle fin de salon. On se retrouve en direct mardi 16 novembre. Et d'ici là, portez-vous bien.